Salut à tous, c'est R4. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Go les Constructions, épisode 5. Alors, faites pas attention à ça. Donc, comme vous voyez, normalement, j'ai fait la bande-annonce de Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc, voilà. Et donc, j'ai pas changé mon skin encore. Avec un skin vraiment beau, je vous montre quand même entièrement. Voilà. Skin magnifique, à part le petit trou bleu là derrière. Sinon, c'est magnifique. Un skin vraiment magnifique. Voilà, tout simplement. Donc, je vais garder ça. Et aujourd'hui, nous nous rendons ici, tout simplement. Donc, tout simplement dans Family Heroine, donc dans le château de famille d'Heroine. Comme d'habitude, on va faire tout le tour. Donc, comme vous voyez, là, on a un grand jardin délimité par des barrières, tout simplement. C'est vraiment beau. Ici, nous avons ce qui indique l'emplacement de la mort d'Heroine. C'est un petit peu chelou pour vous, mais bon, de toute façon, c'est pas moi qui ai construit ce truc-là. Bref. Donc, vous voyez, bien sûr, c'est un petit peu sale. Il y a des liens un petit peu partout. Mais bon, c'est pas entretenu, surtout qu'il y a personne qui est allé depuis longtemps. C'est aussi un endroit qui a pu aussi... faire place à des phénomènes paranormaux. Nous ne sommes pas ici pour faire des résoudre l'histoire de phénomènes paranormaux du château d'Heroine, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc vous avez remarqué que les trois derniers épisodes que j'ai fait parlent surtout des endroits qui ont été hantés. On ne sait pas s'il y a encore. Voilà, Heroine. Je tiens aussi à vous montrer un petit truc. Ah ouais. D'accord. Ouais, mais normalement, ici, donc je vais même vous le montrer, si je calcule bien. Voilà, vous avez un trou, là. Vous avez sûrement remarqué. Hop. Ceci, voilà. Normalement, quand on fait ça, je dois donner ça. Voilà. Donc après, on tombe dans le trou. Normalement, il y a... bon, allez, je vais vous le dire, je vais pas vous montrer parce que c'est pas encore terminé, mais normalement on a tout simplement une grande cité, on sent que la cité d'or, pas la cité d'or, mais on a une grande cité, c'est magnifique. Je vais pas vous la montrer parce que c'est pas encore terminé, tout simplement. Oh, ceci, non, on veut qu'un seul. J'en ai parce que je pense que vous voyez totalement mon skin. Donc voilà, alors on a un petit peu les trous, les tombes. Ouais, il n'y a pas moi. Oh non, il n'y a pas. Je suis pas de quoi. Je m'en rajouterai tout seul. Voilà. Alors aujourd'hui, on va reprendre le passage secret, bien sûr. Qu'avec un arbre. C'est joli quand même. J'aime bien les arbres comme ça. Sans feuilles. Enfin, s'il y a des lianes, mais bon, c'est pas des feuilles. Donc ça, c'est le cimetière, tout simplement. Le passage secret doit se trouver à peu près... je crois vers là. D'accord, bah en tout cas, on va faire un passage secret parce que ça va être encore plus facile à trouver. La bâtiment qui a vraiment été hanté, bien sûr, je peux pas prendre des salades. Sinon, comment je serais. Enfin, donc voilà, alors, je vais quand même faire le tour, vous le voyez sur la map. Donc, voilà, c'est un bloc. En gros, c'est un bloc. C'est comme le QG, enfin le QG, les temples de du dragon électrique, le temple des Anacondas. C'est un bloc, tout simplement. Donc on va rentrer dedans, comme d'habitude, bâtiment d'intelligence. On rentre, tout simplement. Donc on a des propriétaires, je leur ai demandé. Alors déjà, il y a un truc louche. C'est que depuis la dernière fois que quelqu'un est venu, bah les portes ne se sont pas refermées, malheureusement. Je sais pas si c'est normal.
Ok. Peut-être laisser une ouverture comme ça. On va laisser ça ouvert. Ouais, on fait le tour déjà. Donc normalement, les gens sont venus. Les gens sont venus. Je pense que c'est bon. Donc les tours, bien sûr, non terminé par celle-là. Si celle-là est faite. Donc voilà les tours. Normalement sur cette tour on monte ici dans l'œil, les yeux. Voilà. Et puis là on n'a plus la possibilité de redescendre. C'est un endroit uniquement, c'est uniquement un escalier. Il y a une tour qui monte tout en haut. Sinon les autres elles montent nulle part. Je vais pas vous montrer, mais elles montent nulle part. Le passage secret qui normalement est ici. Alors là on a de la lumière, mais ah ouais, c'est une lumière. Le passage secret qui est ici. Là ça sert à rien puisque c'est vide. La tour est vide, totalement vide. Le passage secret qui est là. Ça, on va remplacer. Je sais pas si on voit bien. Ah j'y étais presque. Ah j'y étais presque. On peut pas toujours avoir raison des fois. Donc je suis déjà venu ici deux fois, je crois, voire trois. Là ça va faire la quatrième je pense. Pour deux histoires. Donc ouais, pour deux fois je suis venu ici pour à cause des identités, tout simplement. Et puis sinon je suis venu les autres fois pour la visite. Non, la majorité, je suis ici pour l'identité, pour montrer à deux personnes. Non, la première, j'aurais pas dû les montrer. Donc bien sûr, comme d'habitude, c'est tout autour. Stock de Django. La lumière ne s'allume pas ici. Bizarre. Alors ici, j'ai jamais compris. Par contre, là, j'ai jamais compris comment est-ce possible qu'il y ait la lumière de l'extérieur alors qu'il n'y a aucune ouverture. De mon point de vue, ça vient plus vers là. Mais ah non. J'ai jamais compris en fait. Jamais. C'est bizarre, c'est chelou. Donc ici, nous avons. Aïe aïe aïe, ça lag. Aïe aïe aïe, ça lag. Donc ici, on a bah, une seule grande pièce, c'est sûr. Voilà. J'essaierai de revenir ici quand le bâtiment. J'essaierai de revenir ici pour une enquête de Shadow Mage. On verra bien. Ici, par contre, ça c'est un piège. Là, je vous conseille de pas me rentrer. C'est un piège. Ça c'est un des pièges tendus par Herobrine Mani. C'est un piège. Enfin, Herobrine Mani, c'est sur sa parcelle, donc c'est sa propriété. Il est le propriétaire de cet endroit. Et sinon, c'est un piège tendu par Herobrine. Donc, ici, on a tout simplement des chambres. Donc, pareil de l'autre côté. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est les plaques de là. Ici. Donc on a beaucoup de passages secrets ici. Il y en a 50, mais je vais vous en montrer que 3 comme d'habitude. J'ai pas envie de révéler les autres. Donc le premier bas, c'est tout simplement celui qui est là-haut. Là, on a l'ouverture ici. Donc on a un passage secret là. Alors, ici, nous avons bibliothèque. C'est pas l'endroit où il s'est passé le plus de choses. Mais c'est quand même un endroit assez terrifiant. Là, on a l'étage. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a été visité ces derniers jours. Je ne me remettrai jamais de cet endroit. Donc ici, la forgerie. Enfin, la forgerie, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais où il y a du charbon, on fait des épées. C'est, ouais, c'est pour les forgerons. Salle de coffre, des coffres, bien sûr. Donc voilà, c'est un beau tapis que je ne pourrais pas avoir chez moi. Après, en face, nous avons bah, tout simplement l'endroit où on fait bah, l'armurerie, tout simplement. Par contre, là, j'ai remarqué qu'il y a un petit problème. C'est que normalement, il y a une porte ici, mais elle n'y est pas. Voilà. Ah oui, non, mais moi, je me rappelle de tout.
purée de porc. Après, si on a pas vu, si on a visité là, c'est tout simplement celle des coffres. Ici nous avons tout simplement les chambres des Robin Mani, des Robin, tout simplement la chambre des Robin Mani. Voilà, avec des lumières pour que ça reste chelou, mais en fait, ne vous inquiétez pas, on a ça en dessous. Donc, ce coffre, faut faire attention, parce que dans ce coffre, quand on met un truc, on peut pas aller dedans, mais quand on met un truc, le truc il disparaît toujours. Bizarre, c'est chelou. La chambre en dérobraille. Alors, par exception, j'ai pas le droit d'y aller. C'est même totalement interdit, mais le propriétaire me l'a autorisé. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu cet endroit, bah, je vais leur montrer. Ah, le lag. Je coupe et je reprends. Ça s'est calmé, voilà. La chambre des Robrailles. Simplement, il n'y a pas de lit. C'est la chambre des Robrailles. Voilà. Ça, c'est beau. Enfin, ça, c'est beau. Je suis jamais venu ici, donc. Je suis jamais venu. Sérieusement, je suis jamais venu dans cette chambre. Donc, continuons la vie. Oh, ça l'arrive. Excusez-moi. Ça lag beaucoup. Je suis obligé de faire des coupures. Donc ici, la salle d'enchantement. Je pense que c'est l'endroit qui fait que mon frappe ne fonctionne pas. Désolé si ça lag. Voilà, c'est bon, ça s'est rétabli. Donc voilà, la salle d'enchantement. Grande salle, donc. Oh, c'est reparti. Donc avec... Ça m'énerve. Donc, quand je dis que ça m'énerve, alors, je dis en fait, quand je dis que ça m'énerve, c'est que quand je filme, bah, ça lag, et puis quand je coupe l'enregistrement, bah, il y a tous mes FPS qui reviennent à 30, ça m'énerve totalement. Ici, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière, malheureusement. J'enlèverai bien sûr tout à l'heure. Le bureau qui est ouvert, je ne sais pas pourquoi. Le bureau de Robin. Le PC, ouais, avec un vieux PC quand même, avec une armoire, avec un coffre derrière, une imprimante, c'est joli, et voilà. Avec de l'autre côté bien sûr encore une lumière, voilà, le bureau, qui est pas bien aménagé, bon on va tout refermer, quelqu'un qui vienne ici, porte de sécurité, porte de secours, qui mène bah, ici tout simplement, c'est les portes de secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ah. C'est vraiment mais totalement dégradé tout ça. Et ben on va monter au troisième. Alors vous dites pourquoi au troisième? Parce qu'au deuxième il n'y a rien, mais je vais quand même vous montrer. Non, au deuxième il n'y a rien du tout, je vous le dis. Donc voilà, ici escalier. Et le deuxième, donc passage secret. Le deuxième, comment y accéder? Tout simplement, par le passage secret. Donc, vous vous mettez comme ceci. Et voilà, tout simplement. Et ici, donc, vous faites pareil. Hop, sauf que cette fois-ci. Voilà, et vous êtes de l'autre côté. Donc, ici, c'est l'endroit où c'est le plus passé de choses. Surtout là. Là. Surtout cet endroit là. Normalement. Donc voilà, on continue à visiter. Donc, ici tout simplement, bah, c'est un endroit assez risqué. Là par contre, on a une petite prison. J'avais totalement oublié. Ça continue à laguer. Alors, excusez-moi, je fais juste un truc vite fait. Donc, excusez-moi, je mets un truc sur. Donc ici petite prison, on peut dire petite prison. Voilà, donc, attention quand même parce que c'est aussi un endroit où il y a le plus de choses.
Ici, donc endroit avec beaucoup de cadavres aussi. C'est un endroit, ça c'est un étage qui est pas bien, qui est pas bien aménagé. Certains se savoir comment ça s'allumait, mais c'est totalement, c'est pas ce que vous croyez. Donc maintenant, bah oui, je passe par là. Troisième étage. Hop, passage secret ici. Et voilà, je vous en montre 4 simplement. Toilette. Toilette très dangereuse. Que si vous rentrez dedans, vous pouvez plus ressortir. Tout ça. Si vous allez dans la cuvette. Hein. Je vais pas y aller. Hein. Voilà. Donc l'escalier ici. Des fois, avant, je me trompe toujours de porte. Petite prison. Ah, je suis jamais venu là-dedans, cette prison-là. Je suis jamais venu. Personne, je suis jamais venu. C'est chaud. Ah, ça là. Ah, ça recommence. Excusez-moi, ça là. Donc, ici, grand salon. Ah, c'est beau quand même. Bon, c'est un petit peu carré, mais bon. Beau salon. Voilà, avec des... Moi je dirais une bibliothèque aussi. Il y a des bibliothèques. Mais bon, ça va quand même. Après, salle de musique. Donc avec un orgue. Très bien aussi. Alors. Bon, ça c'est. Pour faire de la musique. Mais bon. Après. Les douches, donc bien sûr ça a été condamné parce que sinon c'est un petit piège quand même, donc, ça a été condamné. Avec ici une chambre double étage, normalement les lits double étage parce qu'il faut autrement, mais comme c'est pas moi qui ai construit, c'est comme ça. Après ici, alors, bon, salle de minerai, avec de beaux minerais, donc tous les minerais qui peuvent exister, donc les minerais, bien sûr le fer, d'or, de diamants, de charbon, c'est une minerai de charbon, bah des redstone, la redstone carrément, la lapis, donc la lapis de lit, et de l'emerald. Voilà. Donc, après nous partons ici, donc une autre chambre, je ne vais pas vous les montrer toutes les deux, mais bon. Ouais. En bas, je ne vais pas montrer un truc, j'ai oublié de vous montrer un truc en bas, je viens de me rappeler. Donc salle pour faire des potions, je vous explique comment faire ci, comment faire ça. Donc le potion, c'est là. Le... c'est quoi ça? C'est là ici, c'est ça, bien sûr. Après ici, on a force, résistance au feu. On a poison, ça c'est le plus courant, le poison. Voilà. Referme. Donc la saison 2 qui attend, bien sûr. En juin. Voilà. Alors, encore pour faire des potions, c'est de sentir le... ouais, c'est de sentir bizarrement ici. Donc voilà. Faire ceci, bah, faut ceci. Ici. Petite prison. Encore avec étage. Voilà. Après. Qu'avons-nous? Ça s'est fait ici, donc ça c'est resté d'origine, hein, comme ça a été hanté, c'est ça qui est... Donc, you is in Aerobrain territory, you have not permission. Donc, you, je pense que c'est... enfin, Aerobrain Mani... J'ai l'habitude de bien traduire en anglais, même si des fois... gens qui me voyaient en vrai, ça, ils n'ont pas l'impression que je parle, j'arrive bien à parler comme ça en anglais, mais bon, bon je sais, enfin, bref. Donc, c'est le congélo en fait, c'est tout simplement le frigo. Voilà, après on a été visité par là, maintenant on va visiter là. Donc, nouveau passage secret, ici,
simplement un passage secret qui permet de torture. Enfin, pas le passage secret, mais l'endroit, c'est pour la torture. Donc on a encore les prisons ici. Normalement, c'est les prisons qui permettent de... Là, on a une tête, là, on a la vie. C'est celui-là donc, qui permet de mettre la tête dans la lave, de la faire cramer. Et bien, celle-ci permet de l'écraser. C'est quand même beau. Regardez, regardez comment ça fait. C'est magique. C'est pas mal. J'aime bien. Donc, on ressort. J'ai encore une chose à vous faire visiter. Ah non, par contre, là, on a encore un truc. Donc, ici, nous avons un seul tableau, même s'il n'y a pas de tableau. Oh, une seule tableau. Voilà. Je vais essayer de le visiter, mais bon. Maintenant, je crois, non, on n'a pas de salle de terminer. Je vais vous montrer encore une salle. Hop. C'est une salle de... C'est un tombeau, simplement. Donc là, on a encore les dernières traces du... Ah, la dernière visite, quoi. Avec Goodbye. Ah, c'est bien appliqué pour cette fois-ci. Donc voilà. Maintenant, on va se rendre au bout de l'étage en dessous. Et... Alors, je vais quand même vous montrer un passage. Excusez-moi, je vous fais plus. Excusez-moi, je fais que de couper, mais non, c'est pas trop... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quoi. Non, vous savez quoi, on va redescendre tout en bas pour vous montrer une dernière pièce. Simplement, on va retourner à l'étage pour vous montrer le passage. Voilà, donc on arrive dans ça lag. On arrive donc dans l'entrée principale. Et j'ai mal au bras, je me ramasser dans les escaliers. Donc j'ai protégé mon ordi. Ça fait mal quand même, ça fait mal. Alors, aïe, maintenant c'est le doigt. Purée, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Enfin bref. Donc, voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc. Cette fois-ci, on va pas remonter, on va pas ressortir, et bah, on va se quitter tout simplement. Donc voilà. Alors, je sais que c'est pas... Enfin bref, on se dit à plus tout le monde, et bye, ciao tout le monde. À la prochaine vidéo.